Maddy. Bah Maddy pour moi c'est la plus jolie. Au niveau du visage. Claire, beaucoup plus naturelle, donc je préfère Claire. Barbara, beaucoup plus jolie. Pareil, naturelle, Léana. Coralie pour Vecchio. Tu peux me poser 100 questions avec qui est la plus belle. La plus belle, dès qu'il y aura Coralie, ce sera toujours elle. Beverly. Je préfère, je sais pas, elle me fait plus rigoler que Maïva. Donc du coup, je la trouve plus jolie. Elle est plus pétillante. Ouf. Donnez-moi un sac poubelle, s'il vous plaît. Aucune. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vais dire Amélie. Je la connais depuis plus longtemps. Je l'ai vue grandir, même si elle aussi, elle m'a vu beaucoup plus grandir. Mais je dirais Amélie. Physiquement, je... En fait, j'arrive plus à trouver des qualités à Amélie. Elle est plus complète que Stéphanie Clairbois. Parce que je parle pas que de beauté visuelle, mais beauté dans tout type. Entre Jazz et Yamina, Jazz. Mère de famille, je trouve ça plus joli. Et Yamina, tu sais, moi, pas l'amour fou. Mélanie Dacruz, elle est quand même plus jolie que Nadège. On va pas se mentir. Bah parce que Nadège, voilà, c'est Nadège, elle est fait très, très garçon. En fait, aucune sur mon style depuis tout à l'heure, mais Fanny et Nehuda, j'arrive pas à les départager. Tressia, je la connais un peu plus qu'Adixia, donc Tressia. Oh non, quelle question difficile. J'adore les deux. Maintenant, Manu, elle est accompagnée d'Antonin, donc je vais dire Astrid. Les deux sortent avec des copains à moi et tout, c'est pas beau. Coralie Delmarcel. Plus jolie, plus pétillante, plus étincelante, un peu moins bête. Barbara Lynch, je peux pas.